le Seigneur vous bénisse richement. Nous pouvons nous lever pour commencer notre culte de ce soir. Nous allons prier. Dieu, notre Père céleste, Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de gloire, Dieu béni éternellement, nous venons ce soir humblement devant toi, tels que nous sommes, n'ayant rien de bon, Seigneur Jésus-Christ. Nous te prions de nous regarder au travers du sang qui a été versé à la croix. Pardonne chacun de nous dans ta présence. Purifie-nous par ton sang, Seigneur Jésus-Christ. Ô Dieu, nous demandons ton onction parmi nous. Descends, Seigneur Jésus-Christ, que la présence de Dieu puisse être ici, Seigneur Jésus-Christ. Tu l'as promis dans ta parole, que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, Seigneur Jésus-Christ, toi tu es là, Seigneur Jésus-Christ. Confirme ta parole ce soir. Nous avons besoin de la colonne de feu et du Saint-Esprit parmi nous, Seigneur Jésus-Christ. Bénis nos âmes par la parole. Bénis-nous, Seigneur Jésus-Christ, par les cantiques. Nous te consacrons tous les services, du début jusqu'à la fin, Seigneur Jésus-Christ. Toi-même sois les maîtres et les guides. Nous chassons tout ce qui est contraire au Saint-Esprit dans cet endroit. Au nom de Jésus, les flèches, les attaques, la lourdeur, tout ce qui est contraire à Dieu, nous chassons cela. Mais laisse que l'atmosphère spirituelle puisse régner ici, Seigneur Jésus-Christ. Nous t'invitons, Seigneur, toi l'invité des marques. Descends parmi nous, Seigneur. Tu as dit que la prière change l'atmosphère. Nous changeons l'atmosphère ce soir. Au nom de Jésus, bénis-nous ce soir. Nous croyons, Seigneur, que tu le feras. Que chaque personne qui est venue ici dans ta présence puisse sortir avec quelque chose qui dira que réellement Dieu m'a béni. Dieu m'a visité. Que l'honneur et la gloire te reviennent à jamais. Pour un culte béni, un culte merveilleux, un culte rempli d'onction, un culte à l'ancienne mode que tu nous as donné. Car nous te l'avons demandé dans le nom puissant, le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons directement louer les Seigneurs. Si riche, nous allons les louer en tapant les mains. Si riche, si profond, insondable, c'est l'amour divin, l'amour rédempteur. Si riche, si profond, insondable, c'est l'amour divin, l'amour rédempteur.
Allez.
Que Dieu bénisse l'Église. Amen. On est dans la joie quand on est dans le besoin du Seigneur. On est ici pour adorer le Seigneur, pour le louer, pour le réjouir en sa présence, pour relâcher la pression. Amen. Beaucoup de pression dans cette vie de tous les jours, beaucoup de pression, le travail. Oh, les travaux, les enfants à gauche, à droite, là, même sur la route conduite, c'est beaucoup de pression. On vient dans la maison du Seigneur le soir pour relâcher la pression. Amen. Pour relaxer dans la présence de Dieu et être rafraîchi. Amen. Alors je vous demanderai simplement d'oublier tout, de placer vos pensées sur la parole de Dieu maintenant. Amen. Et on va... je vois que c'est mon dernier service. Hein? Donc je vais... donner une sorte de conclusion, de cerise sur le gâteau sur tout ce qu'on a vu là-bas et vous encourager encore une fois, vous encourager toujours. Je suis venu de paix de m'entendre, je venais pour vous encourager à aller de l'avant. Je veux que l'église aille de progrès en progrès, je veux que chacun de nous puisse progresser et je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai encore, mais l'enlèvement peut avoir lieu dans l'entretemps et qu'on se retrouve tous dans la gloire, ce serait une très bonne chose. Que personne ne manque à l'appel. Ok? Que personne ne manque à l'appel. C'est tout ce que je veux. On va se tenir debout, on va lire la parole. Dans le livre de Marc, au chapitre 8, versets 34 et 35, je lis. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. » Il y a un détail ici qui se trouve dans Luc 9, hein. Et que j'aimerais beaucoup insister sur ça, Luc 9, 24, c'est le même écriture, hein? Même lecture là, mais un détail que Luc a ajouté ici, Luc 9, 23, puis il leur dit à tous, puis,
puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge, voilà le détail que je voulais, chaque jour de sa croix et qu'il me suive. C'est chaque jour. Chaque jour. Et on va lire dans un livre qu'on ne lit pas souvent, le livre de Philémon. Philémon, chapitre 1er. D'ailleurs, ce livre-là, il n'a qu'un seul livre, un seul chapitre. Où est-ce qu'il est Philémon ici? Philémon, c'est après quoi? C'est après Tite, hein? Après Timothée, c'est quoi? Tite, après Tite, Philémon. Philémon, chapitre 1er, juste le verset 1er. Paul, prisonnier de Jésus-Christ. On va s'arrêter là. Prions. Dieu Tout-Puissant et Père Céleste, nous te bénissons et te rendons grâce au Dieu pour ce moment de communion autour de la parole. Merci, ô Dieu, ô Père, à toi qui nous a encore rassemblés ce soir. Pour que, ô Dieu, nous puissions, Père, partager le pain de vie. Tu as promis que là où d'autres sont rassemblés en ton nom, tu seras parmi eux, Père. Seigneur Jésus, nous croyons que tu es déjà avec nous, ô Père, car nous sommes rassemblés au nom du Seigneur, ton Fils bien-aimé. Ô Dieu, brise pour nous le pain de vie, ô Père. Donne-nous à manger la parole de vie, ô Dieu de gloire. Père, prends tout ce que j'ai préparé, ô Dieu de gloire, papa, comme tu le fis. Lorsque tu multiplies les pains, prends cela, Père Seigneur, ô Dieu Père, et multiplie-le, papa, et distribue-le à tes enfants, ô Dieu de gloire. Nous voulons que nos vies changent, ô Père. Que nous puissions être totalement abandonnés à toi, Père Seigneur, ô Dieu. Car tu as de grandes choses pour nous en vue. Aide-nous, Seigneur, ô Dieu, papa, ô Jésus, à nous tourner totalement vers toi, Père bien-aimé, pour voir cette parole, ô Dieu de gloire, que nous croyons être manifeste dans nos vies. Fais-le pour ta gloire et pour notre bien. Nous te le demandons, Père, au nom puissant du Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce soir, ma prédication s'intitule, juste comme le prophète l'a prêché, quand il a lu cette écriture, un prisonnier. Un prisonnier. On a parlé ici de beaucoup de promesses, beaucoup de choses que Dieu a promis pour nous et qui vont se réaliser. Rappelez-vous d'une chose, frère m'a dit ceci, avec ou sans toi, l'enlèvement aura lieu. Tu te relâches, tu négliges, sache que avec ou sans toi, l'enlèvement aura lieu. Nous l'avons pressé. Mais si tu es un élu, si tu es un élu, tu ne seras pas perdu. Dieu va te forcer d'entrer. Ou alors, retenez ça, Dieu va te récupérer avant. Tu peux mourir avant. Dieu peut te prendre avant pour ne pas te perdre. J'ai vécu un cas comme ça dans mon église au Burundi, une sœur qui avait des hauts et des bas. Des hauts et des bas. Et chaque fois, elle attrapait, elle était cardiaque. Crise cardiaque. Et on prie pour elle, elle est rétablie. Elle est à l'église pendant un temps et elle tombe encore. Et up and down. Elle est toujours haut et bas. Elle revient deux, trois fois comme ça, je crois trois fois comme ça là-bas. Et quand elle te met, je crois la troisième fois, Dieu a dit, c'est fini, je la reprends. Dieu a dit clairement, dites-lui, je la reprends. Qu'elle aille arranger sa vie, elle part. Effectivement, elle est allée, elle a arrangé sa vie. On l'a vu dans les quartiers, aller de maison en maison, demander pardon, arranger sa vie avec les gens. Les gens ne comprenaient pas. Les gens ont compris ça quand elle est morte. Eux ne savaient pas ce qui se passait, mais elle a arrangé sa vie après. Et après, elle était décédée. Nous l'avons enterrée. Et une sœur a eu une vision après ça. Elle était dans la gloire. Elle était partie. Si tu es comme Saül, avec des hauts et des bas, Dieu peut te reprendre. Ok?
Donc, soyez dans la parole et Dieu, il travaille sur son plan, sur son temps. Et l'enlèvement aura lieu. Ça ne sera ni en retard, ni en avance. Au moment opportun, l'enlèvement aura lieu. C'est à nous de nous préparer pour entrer dans ce temps-là et être prêt quand le Seigneur viendra. Allons dans la prédication intitulée de un prisonnier. Frère Branham commence par déclarer ceci. J'aimerais faire cette déclaration. Dieu doit amener tout homme qui veut le servir fidèlement à être son prisonnier, toujours. L'homme doit abandonner ses ambitions, tout ce qu'il est, tout, sa vie. Écoutez bien comment le prophète nous met en garde. On doit renoncer à tout, abandonner tout. Sa vie, son âme, son corps, sa volonté, ses ambitions et tout le reste. Devenir entièrement prisonnier de Christ qui est la parole avant de servir Dieu. Il y a des promesses que nous connaissons. On en a parlé ici, ça va arriver. Dieu a déjà promis ça. Rien ne pourra empêcher ça d'arriver. Dieu a dit qu'il aura autant de la faire une épouse sans tache ni ride. Femme à l'appeler, et sera une armée invincible. Ça va arriver. Rien ne pourra empêcher ça. Et Dieu t'a vu dedans. Dieu sait que tu seras dedans. Mais pour que tu puisses entrer là-bas, première étape d'abord, l'étape, le passage obligé, c'est de devenir un prisonnier. Dieu doit avoir de l'emprise sur toi. Il dit encore, Dieu cherche des prisonniers. Il l'a toujours fait. En parcourant l'écriture, vous pouvez voir cela. L'homme doit être prisonnier de Christ envers et contre tout. Pas un pied dans le monde, un pied chez Christ. Non, 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 pas question. Donc, vous ne pouvez pas être rattaché à rien d'autre qu'à Christ. Pas même à votre père, à votre mère, à votre frère, à votre soeur, à votre mari, à votre femme, à qui que ce soit. Tu vas être rattaché à un humain, à un homme comme toi. Mari, femme, père, tu vas être rattaché à lui. Il va t'amener où? Il va t'amener où? Que dit la Bible? Malheur à celui qui se confie dans l'homme. Vous n'êtes rattaché qu'à Christ, qu'à lui seul. Et alors, Dieu peut vous utiliser. Ah, si tu veux être dans cette armée là-bas, c'est une armée de militaires, des soldats invincibles. Dieu les utilise. Une armée, on utilise les militaires dans l'armée. Dieu doit t'utiliser comment? Si tu es un pied ici, un pied là-bas, loyauté partagée. Tu tiens qui? Tu ne peux pas servir et maman, et maman c'est le monde, et Dieu. Impossible. Tu dois faire le choix de servir l'un des deux. Il dit ceci. Il dit, continuez simplement à vous détacher de tout. Continuez seulement à vous détacher de tout. Jusqu'à ce qu'enfin, le dernier lien ait été rompu. C'est là que vous êtes prisonnier. Alors, vous êtes sous son emprise et il vous a sous son emprise. Ok? Nous devons nous détacher de tout. Tous les liens qui nous relient encore, il faut s'en débarrasser. Il faut constamment observer sa vie pour voir. Faut me dire, la vie d'un chrétien, elle est faite de tension. La vie d'un chrétien, elle est faite de tension. Beaucoup de tension, un chrétien. Un chrétien n'est pas nonchalant comme ça là-bas, et comme on dit en anglais, wishy-washy, un m'en foutiste de là comme ça là-bas. Non, un chrétien, il se contrôle constamment, il se regarde, il se vérifie constamment. Tu parles avec quelqu'un, comment j'ai parlé? Tu réponds, comment j'ai répondu? Est-ce qu'il est blessé? Est-ce que j'ai parlé mal? Est-ce qu'il est blessé? Un chrétien, il se contrôle constamment. Sa vie, elle est faite de tension. Parce qu'il veut être droit devant son Dieu. Les pensées qui viennent, les pensées, surtout les pensées.
Les pensées, même quand tu dis je suis seul à la maison, tu es seul à la maison et les pensées, elles sont là avec toi. Les pensées là-bas, le diable entre dedans. Il a même des pensées sur côté à la parole de Dieu. Les pensées à tout moment, par exemple, même quand tu es seul, tu travailles, comme moi, je suis sur l'ordinateur là-bas, en train de travailler, ou elle est sur la cuisine là-bas. Les pensées, ce que tu penses là, vérifie ça. Filtre les pensées. Et ça, c'est du diable, je refuse ça. Faut faire attention. Femme dit quoi? Tu ne peux pas empêcher les pensées, les mauvaises pensées d'arriver. Tu ne peux pas empêcher ça. Tu ne peux pas empêcher les mauvaises pensées d'arriver. Ça viendra. Le diable a des pensées aussi. Et il dit oui, mais tu peux. Ce que tu dois faire, c'est quoi? C'est éviter que ces pensées puissent s'ancrer en toi. Non, tu les refuses. Un chrétien, il est constant en train de s'examiner. Il y a une. Je vais seulement dire la citation, je ne vais pas la lire. Faut même définir c'est quoi un chrétien. C'est quoi être chrétien? Un chrétien, il fait tout par rapport à la venue du Seigneur. Amen. Ok, comment? Il définit ça. Un chrétien ne dit pas n'importe quoi. Parce que le chrétien, il pense comme ça. Si le Seigneur venait maintenant et qu'il me tourne à te dire ça, est-ce que je partirais? Voilà un chrétien. Un chrétien ne pense pas n'importe quelle pensée. Parce que si le Seigneur venait maintenant là et me trouve en train de penser cette pensée ici, est-ce que je partirai? Est-ce qu'il me prendra? Un chrétien ne va pas n'importe où. Parce qu'il s'est dit, si je suis là-bas et que le Seigneur arrive, il me trouve là-bas, est-ce que je partirai? Est-ce qu'il me prendra? C'est ça la vie d'un chrétien. Constamment d'être se contrôler. Un chrétien ne parle pas n'importe quoi. Je dis, hey, si le Seigneur venait et qu'il me demandait de parler comme ça là-bas, et il se contrôle. Il se contrôle. Voilà pourquoi la vie d'un chrétien, elle est faite de tension. C'est beaucoup de tension tout le temps. On est tout, parce que tout le temps en train de se regarder, en train de se contrôler là-bas, et tout le temps. Voilà pourquoi le pasteur Jacques dit souvent ainsi que, et c'est pour ça qu'il en parle, le chrétien est un pécheur repentant. À cause de ça, le monde qu'on est là-bas, c'est qu'on regarde là-bas. C'est qu'on regarde. Tu vas là, tu tournes la tête comme ça, le péché, tu tournes là-bas comme ça. Des fois, tu rentres comme ça là-bas, c'est. Tu inhales la fumée d'une cigarette de quelqu'un là-bas comme ça. Oh là là. Tu viens de prier là pendant 2 heures là ou 1 heure là. Tu t'es bien consacré là. Tu vas là-bas comme ça, avec, sur toi là. Encore cette. Ah oui, c'est ça. C'est ça, un chrétien. On est dans un monde comme ça là-bas, on est tout le temps souillé là, mais on se lave constamment, on a la parole. Donc on se contrôle tout le temps, on contrôle les pensées, les paroles, les actes, où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on met le pied. Hein, c'est ça la vie d'un chrétien. Ok? Prisonnier de Christ, prisonnier. Maintenant suivez bien. Nous allons prendre 3 exemples, 3 prophètes. J'aimerais vous dire ceci. Tout ce que les prophètes de l'Ancien Testament avaient, tout ce qu'ils étaient, tout ce qu'ils avaient, c'est ça que Dieu a donné à l'épouse. Nous ne sommes pas moins que les prophètes. Oubliez ça. Un prophète est un serviteur. Un fils de Dieu, une fille de Dieu, c'est autre chose. Un serviteur, il n'est pas plus grand qu'un fils. Jésus est venu pour avoir des fils et des filles. Devant lui, ils sont plus heureux parce qu'eux, ils ont sa vie. Mais un prophète est un serviteur. En tant que prophète, Frère Branham est un serviteur. En tant que fils de Dieu, né de nouveau, nous l'appelons Frère Branham. Il est un de nous. Dans l'Ancien Testament, là-bas, les prophètes, vous voyez, quand tu lis là-bas, tu vois des grands prophètes comme Élie, Samuel, Moïse, tout ça là-bas, tu vois des grands qui ont fait des grandes choses là-bas comme ça. Et bien, je vous dis que tous ceux qui sont là-bas, Dieu a donné ça à l'épouse. Les prophètes, ils sont notre type. Vous savez, dans le temple de Moïse, il y avait la troisième partie qu'on appelle le Saint des Saints. Personne n'est autorisé de mettre son pied là-bas. Sauf 2 personnes. Il y avait le souverain sacrificateur qui entrait une fois par an. Il n'entrait pas sans le sang. Dieu a dit à Moïse, dis à ton frère de ne pas venir sans le sang. Il va mourir. Il va mourir. Là, Dieu ne tolérait pas le péché. Il n'y avait pas du sang pour. Non, non, non. C'était quand
ils deux connaissaient ce qui s'est passé en Éden là-bas il avait pas encore le sang, le vrai sang n'était pas encore là-bas. Il est couvert par le sang des animaux là-bas, mais quand il disait ne venez pas ici, ne venez pas ici. Et quand il a le jour de la fête, le sacrificateur est entré une fois par an. Le jour de la fête qu'on appelle la fête du Kippour. Une fois par an, il est entré là-bas avec du sang. Le sang des animaux là-bas et d'un animal. Il y est entré et il y avait tout un rituel. Où était le peuple? Le peuple était dehors. Même en dehors, dehors. Personne, il était le seul qui est entré là-bas. Dans la deuxième chambre, dans l'antichambre, il y avait dans le lieu saint, il y avait les sacrificateurs. Il prenait le sang maintenant, il était habillé de cette manière et il entrait là-bas. Et quand il entrait là-bas, on a tassé une corde dans la jambe parce que s'il était indigne, il était foudroyé de mort sur place. Et même pour sortir le corps, personne ne doit entrer là-bas. Pour sortir le corps, personne ne peut entrer là-bas. On lui mettait une corde de paix, il dit, au cas où tu meurs là-bas, on va te tirer ses mains, tu vas passer sous le truc là, on va te tirer sous le rideau. C'était vraiment très sérieux. Dieu ne tolérait pas le péché dans sa présence. Alors quand il entre devant avec le sang, il y avait lui qui est entré, il entre avec le sang là-bas et il fait le rituel. Tout le peuple retient le souffle. Jusqu'à ce qu'il sort. Alors on sait que Dieu a agréé notre pardon. Sinon, notre péché, même Dieu, il peut mourir là. Mais il y avait un autre qui est entré, qui lui venait comme ça, il ouvre les rideaux et il entre. Il y en avait un qui est entré comme ça. Moïse. Moïse est entré. Dieu l'appelait Moïse. On sort. Moïse vient, il ouvre les rideaux, il entre. Moïse est entré comme ça. Moïse. Et vous savez quoi? Moïse nous représentait. Nous sommes l'épouse. C'est Moïse. Le sacrificateur, lui, était un type de Jésus. Jésus est venu, lui, comme souverain sacrificateur. Il est entré dans le temple avec son propre sang pour faire la rédemption. Pour un pardon éternel. Aujourd'hui, maintenant, il a offert, il dit entrez. Nous, on entre. Nous, on fait ce moment-là. On entre. Il n'y a pas d'interdit. On entre. Au contraire, aujourd'hui, maintenant, rester dehors, c'est la mort. Maintenant, on dit venez recevoir la vie. Nous, on entre là-bas. Moïse, le grand Moïse symbolisait l'épouse. Nous, on n'entre pas là-bas en train de trembler avec Dieu. Je n'ai pas du sang. Non. Le sang est déjà là. Amen. Le sang est déjà là. Nous, on entre directement. Amen. Moïse nous représentait. Amen. Lui, le grand prophète là-bas, il représentait toi et moi. Amen. Nous nous mettons chez nous. On a la présence de Dieu là-bas. On lui parle. On vient là-bas. Le sang est déjà là. Le sang a coulé à 2000 ans. Le sang, il y a du sang devant le Père. Dès que tu vas comme ça là-bas, mon fils, qu'est-ce que tu veux? Ah oui. Nous ne sommes pas n'importe qui. Il y avait une loi. C'est le maître de Perse là-bas. Du temps d'Esther, de la reine Esther. Il y avait une loi qui disait quoi? Tu n'entres pas dans la présence du roi si tu n'as pas invité. Dès que tu apparais comme ça, ça s'applique même à la reine. Tu entres là-bas, directement, les gardes dégainent l'épée. Si le roi ne sort pas le sceptre, tout le temps le sceptre, tu es foutu. Esther est entrée. L'épouse est entrée. Il y avait une loi. Hein? Peut-être que la reine Vasti, elle crée. Mais quand c'était Esther, elle a jeûné, elle est entrée là-bas comme ça, là-bas, d'après du roi. Le roi a tendu le sceptre. Elle dit, ma reine, qu'est-ce que tu veux? Même si c'est le roi du roi, dis-moi, je te donne. L'épouse, nous avons accès au trône du Père. Anytime, à tout moment, on entre. Ça veut vous dire quoi? Ce que les prophètes ont fait dans ce testament, nous l'avons. C'était pour l'épouse. Il typifiait l'épouse. Et ici, on va prendre trois prophètes. Allons prendre trois prophètes. Deux dans ce testament et un dans le Nouveau Testament. Deux, Moïse et Joseph. Et le troisième, c'est Paul. Moïse, un prisonnier. Mais je voudrais faire remarquer ici quelque chose que vous allez voir dans les trois prophètes. Là. Ok. Première chose, c'est quoi? Tous étaient les prophètes. Mais prenons le cas de Moïse. Moïse est né. C'est Dieu qui a parlé à ses parents que Moïse devait naître. Il priait, tout le monde priait, et Dieu envoie un ange révéler à son père. Il a donné la réponse à sa prière.
que voilà le libérateur, il va naître. Tu auras un enfant, tu auras un fils, c'est lui qui sera le libérateur. Moïse est né au moment de la persécution. Après, ils seront obligés de le mettre dans le Nil et il va finir où? Dans la maison de Pharaon. Et sa maman, c'est elle qui a été sa nourrice. Et quand Moïse grandissait, c'est sa maman qui l'a élevé. Frère Abraham, il dit que c'était à l'âge de 16 ans qu'il parlait avec sa mère. Il rapporte une conversation, il dit, mon fils, tu as 16 ans. C'est dans la prédication intitulée Un prisonnier. Mon fils, tu as maintenant 16 ans. Et il dit à son fils tout le concernant. Tu n'es pas un Égyptien. Tu es un enfant, tu es un Hébreu. Ton peuple, c'est celui-là. Ok, c'est bon. Voilà ce que Dieu avait dit à notre père Abraham. Voilà ce que Dieu nous a dit à ta naissance. Voilà ce que tu es. Tu es le libérateur qu'on attendait. Ce peuple là-bas qui croupit dans l'esclavage là-bas attend le libérateur et c'est toi. Moïse ne faisait que dire Amen. Amen. La maman, tu me fais l'église, n'est-ce pas? Amen. On lui dit ce qu'il est. Moïse a accepté. Vous savez quoi? Dans sa tête, comme on dit en français, la mayonnaise est montée dans la tête. Il commence à... C'est moi le libérateur. Ok. Maman, tu sais quoi? Ok. Je prends des cours de formation militaire. Moïse commence à dresser son propre plan pour accomplir la libération. Maman, je prends des cours de philosophie. Maman, je prends des cours de... Je saurais comment parler. Je serai un grand leader. Je saurais comment parler devant les gens. Maman, je prenais des cours de sport, karaté. J'ai essayé dans les salles de gymnastique là-bas. Ah, maman, je veux me construire pour accomplir ça. Et Moïse a fait tout ça. Il a étudié. Il était intelligent. Très intelligent, ce garçon-là. Il a étudié. Et il s'est formé dans tous les domaines. Parce qu'il devait aussi être... Il devait être qui? Le fils de... Il était considéré comme le fils de Pharaon. On le formait. Pharaon l'a formé vraiment pour le succéder au trône. Ok. Moïse s'est formé lui-même. Moïse a ce qu'on lui a dit, ça a créé en lui de l'ambition. Et il s'est fait son plan pour accomplir ça. Ah, je dois libérer. Il ne faisait que rêver de ça. Je dois libérer. C'est moi libérateur. Je dois libérer. Je dois me former pour libérer. Je dois. Hein? Et Moïse regardait, il faisait le sport là-bas, et sa poitrine gonflait bien là-bas. Et ici là-bas, c'était des six packs, comment on appelle ça, six paquets là, ici là-bas. Moïse, bien bâti là. Pas comme moi là, moi c'est un seul paquet tout rond là. Lui c'était six paquets là. Et Moïse regarde son bras comme ça là-bas, eh oui. Quand il se met devant les militaires comme ça, il parle comme ça, il commande là. Les gens disent, ça c'est vraiment un futur pharaon. Ok. À l'âge de 40 ans. Moïse dit, le temps est là maintenant. Je commence la libération. Après, il s'est formé depuis 16 ans. Il s'est formé à 40 ans. Moïse dit, allez, je commence la libération. Un Égyptien est mort. That's it, c'était fini. Toute la formation là-bas, il a produit un cadavre. Un cadavre puant d'un Égyptien. Moïse, il fuit. Pendant ce temps là-bas, Dieu est en train de le regarder. Comment il s'est formé lui-même là-bas, très fort, bien, un bon orateur, intelligent et tout et tout. Et puis après, il est en train de courir dans le désert, et oh, il a fui. Dieu aussi dit, ok, 40 ans, j'attends aussi 40 ans. Pendant 40 ans, Dieu fait quoi? Dieu le vide de ses ambitions. Pendant 40 ans, Moïse est là-bas. Même le désir d'aller libérer les enfants d'Israël, ça s'estompe en lui. Tout finit comme un bonbon dans la bouche. Tout part, tout finit. Et Moïse est là, Dieu le regarde, les années avancent. Moïse, c'est que ta mère t'avait dit, ah, lointain souvenir. Il perd l'usage de la même de la langue. Moïse se retrouve en train de parler avec les... J'ai vu ça au Burundi, hein.
Le Burundi, là-bas, c'est un pays, il y a beaucoup d'éleveurs là-bas. J'ai vu ça au Burundi, j'étais étonné. On me disait, mais j'ai vu un jour des éleveurs parler à des vaches. Ils parlent aux vaches, les vaches écoutent. J'étais là, j'étais, quoi? Ils parlent aux vaches, ils leur parlent comme ça, les vaches écoutent. Et Moïse, tellement il a gardé les vaches là-bas, oh, les brebis, oh Moïse, le langage, il s'est formé un bon orateur là-bas, il a tout perdu. À 80 ans, Dieu descend maintenant. Dieu l'a vu de buisson ardent. Toutes les ambitions, tout a été, on l'a vidé complètement, complètement lessivé. Moïse se retrouve devant Dieu à 80 ans. Il déclare à Dieu qu'il est incapable d'accomplir la mission. Dieu dit, j'ai trouvé maintenant mon prisonnier. On lui dit, même tes chaussures enlève. Moïse, 80 ans, il marche un bâton à la main, on le met par terre. Il dit, mets pas dans les chaussures, par terre. Tes pieds là, sur le sol. Moïse enlève, Moïse marche sur le sol avec un bâton. Il part devant Dieu. Lisons. Moïse devant Dieu. Ha. Oh là là. Moïse devant Dieu. Complètement vidé. Mais observez ce que ce puissant théologien, il a étudié. Ce qu'il a fait en présence du buisson ardent. Il a confessé son incapacité. C'est tout. Quand il a vu le véritable dessein de Dieu, il a confessé qu'il était incapable de l'accomplir. Il avait pourtant reçu toute la formation théologique qu'on peut lui donner. Il avait été formé dans la meilleure école. Mais là, qu'est-ce qu'il peut faire alors? Alors que cette colonne de feu se tenait là dans son buisson, il a dit, je ne sais même pas parler. Seigneur, qui suis-je pour aller là-bas? Dieu dit, enlève tes souliers, Moïse. Je vais te parler. Oh, tout ça, même tes souliers, te voient de nouveau à même le sol. Je vais te parler. Moïse était là-bas, en train d'être dépouillé, jusqu'au moment où il a vécu l'expérience du puissant ardent. Complètement vidé. Et là-bas, la parole déclare, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je me souviens de la promesse. Et je suis descendu pour te délivrer. Je t'envoie. Ah. Je vais avec quoi? Il était habitué à bataillon, là-bas, char, tirer, flèche, renvoyer là-bas. Là, maintenant, il demande à lui, tu fais quoi? Tu dis, qu'est-ce que tu as dans ta main? Un bâton. Tu dis, tu as un bâton. Tu as ce qu'il faut. L'homme qui s'est formé, tirer les chars de combat, tout ça là-bas. Maintenant là-bas, 80 ans. Seigneur, c'est avec ça que je oui, ça là. C'est ça que tu as. C'est ça qu'il faut. Moïse, non. Jette-le. Pas. Ça devient un serpent. Moïse veut fuir. Prends par l'accueil. Prends que ça devient un bâton. À partir de ce moment-là, le bateau de Moïse n'était plus qu'un simple bâton. Dès que Moïse a récupéré ce bateau là-bas, dans le bateau de Moïse, il y avait deux choses. C'était du bois et c'était un serpent. Que veut dire que symbolise le serpent? Le serpent symbolise le péché déjà jugé. Parce qu'en Éden, le serpent, debout vertical, sur deux jambes, a été maudit, a été jugé et il a commencé à ramper.
Le serpent, le péché maudit, ce n'est pas seulement le serpent des reins. Non, même le serpent dans la forme reptile, c'est le serpent jugé. Il représente quoi? Il représente le jugement de Dieu. Il symbolise le jugement de Dieu. Dès que Moïse reprend le bâton a deux choses dedans maintenant. Il a un bâton qui a en lui le jugement. Ce n'est plus le bâton qu'il avait avant. Là où ils sont dans la prédication intitulée sortir du camp. Frère me dit quoi? Il dit en fait, Moïse, au buisson, attends, Dieu lui a dit ceci. Dieu dit à Moïse, tu sais pourquoi tu as échoué de libérer les enfants d'Israël? C'est parce que tu étais dans le mauvais camp. Tu es dans le camp où les choses se font de manière naturelle. Alors tu as essayé à ta manière naturelle. Tu as échoué. Dieu dit à Moïse au buisson ardent, viens dans mon camp. Dans mon camp, les choses se font de manière surnaturelle. La délivrance d'Israël devait être une œuvre surnaturelle. Il s'est préparé naturellement, il a échoué. Dieu dit, maintenant que tu as échoué, viens dans mon camp. Et quand il s'invite, il invite lorsque Moïse est complètement dévidé de ses capacités physiques. Dieu dit, maintenant j'ai le prisonnier. Voilà ce que je voulais. Dieu a beaucoup de mal à préparer ce nom. Vous voyez, il ne savait plus avoir l'emprise sous Moïse. Tant que Moïse n'est pas sorti de son propre camp, fait de main d'homme, sorti de la manière militaire de faire les choses et de la manière naturelle de faire les choses, pour se tourner vers la manière surnaturelle de faire les choses. La prédication est intitulée sortir du camp, paragraphe 64. Ensuite, quand il est entré dans le camp de Dieu, Dieu a pu l'utiliser. C'est ça qui manquait à Moïse. Il était dans le mauvais camp. Au buisson ardent, Moïse accepta. À 80 ans, faible complètement, Moïse accepte d'entrer, il quitte le camp. Moïse entre dans le camp de Dieu. Il dit ici dans mon camp, le surnaturel est naturel. On ne connaît rien de ça ici. Dans mon camp, les choses se font de manière surnaturelle. Moïse entre là-bas et la libération a eu lieu. Mais regardez ici, Dieu connaissait tout ça. Dieu avait déjà prévu que Moïse ferait ça. Tout était le plan de Dieu. Il avait déjà dit ça à son père. Mais il s'est passé un temps où Moïse a voulu le faire à sa manière. Elle a échoué. Paul maintenant. Paul. L'apôtre Paul. Paul aussi avait des ambitions. Ses parents l'ont mis dans une école théologique. Il a vraiment été éduqué et formé dans leur religion là-bas, le judaïsme. Et il dit qu'il était très zélé dans le judaïsme. Oui, tout allait bien. On est dans une école là-bas et Paul avait des ambitions lui aussi. Je serai un jour sacrificateur. Je serai un jour souverain sacrificateur. Et il était comment? Très appliqué. C'était un des brillants étudiants de Gamaliel, Paul. Bon, à ce moment-là, il s'appelait Saul de Tarse. Il était là-bas vraiment. Et il avait ses ambitions. Et il a fait quoi? Il a travaillé sur ça à sa manière. Il s'est donné vraiment à l'école de Gamaliel là-bas. Et une des meilleures écoles des pharisiens était bien formée là-bas et il était zélé pour la parole de Dieu. Zélé vraiment et bien formé là-bas. Et un étudiant brillant. Il avait des ambitions. Il dit, on l'avait instruit comme ministre de la parole. Et il était bien instruit, brillant, un jeune homme brillant qui avait la grande ambition, encore une fois, l'ambition. Une grande ambition de devenir peut-être un jour sacrificateur ou souverain sacrificateur pour son peuple. Pour son peuple. Et voilà comment est-ce qu'un jour on va lui confier des lettres, on va lui confier l'ordre de mission. Dans le livre des Actes. Il va recevoir l'ordre des ordres personnels écrits par lesquels il avait confié à ce grand Saul. C'est Gamaliel qui donne. Il dit, on avait confié à ce grand Saul la mission de descendre à Damas afin de trouver là-bas tous ceux qui rendaient un culte à Dieu d'une manière contraire à ce que lui, il avait dicté de les lier et de les jeter en prison. Donc tous juifs qui adorent autrement méritent la mort.
Ça, c'est notre Dieu. On ne joue pas. C'est Jéhovah. Il faut se battre pour Jéhovah. Tout ce qui adore autrement là-bas, c'est quoi ce que de Jésus là-bas? Va là-bas, tout ce qui veut dire trouver en train d'adorer Jésus là-bas, aller attraper, mettre en prison. Déjà à Jérusalem, il le faisait. Un était mort sous la proportion de Paul. J'ai dit son nom en anglais. Vous l'appelez Étienne. Hein? On l'appelle en anglais, c'est Stephen. Étienne, lapidé. Et là, c'était le zèle pour Jéhovah. Zèle pour Jéhovah. Ces gens ici, nous nous sommes adorés de Jéhovah. Nous, on adore Jéhovah. On ne joue pas avec ça. Tu défies comme ça, allez. On doit te tuer. Ok. Il avait reçu l'ordre de les mettre à mort. À la rigueur, s'il jugeait bon de le faire. Si Paul décide, non, toi, tu vas mourir, on te tue. Ok. Et il avait de grandes ambitions. Il travaillait sur quoi? Il travaillait sur ses ambitions. Il devait occuper un bon poste là-bas chez les pharisiens. Là. Ok. Dieu avait un plan pour lui. Dieu connaissait avant le début ce que Paul serait. Amen. Dieu connaissait pour Moïse. Oui. Dieu connaissait. Amen. Finalement, ce que Dieu avait dans la pensée, c'est accompli. Mais par quel chemin Moïse est passé? Là, c'est eux seuls, par la voie militaire, il a échoué. Paul aussi est parti par la voie ecclésiastique. Formation théologique, tout ça là-bas. Et il a travaillé sur son plan. Il y a ton plan et le plan de Dieu aussi. Le plan de Dieu va s'accomplir. Amen. Sur la route de Damas. Amen. Dieu dit, c'est le temps de mon plan maintenant. Dieu descend. Dieu rencontre Paul. Paul, bien instruit sur la colonne de feu. Il connaît la colonne de feu. Il connaît ce qu'elle a fait. Il connaît que c'est leur Dieu. Dieu descend. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu au temps présent? Pas au passé, au futur. Pourquoi me persécutes-tu? Saul regarde, il voit, ça, c'est la colonne de feu qui a conduit nos pères de l'Égypte qui va être promise. Il tombe par terre et Saul pose et demande, mais qui es-tu, Seigneur? Lui, un juif, appelé Seigneur n'importe quoi, pas question. Il sait, quand il dit Seigneur, il sait à qui s'adresse. Mais ça, c'est Jéhovah. Mais, Jéhovah se met en travers de moi pendant que je suis en train de lui rendre service comme ça. Et il m'a dit que je le persécute. Il dit, mais finalement, mais qui es-tu, Seigneur? Paul était encore dans la première dispensation. Parce que Jésus vient dans. Le Seigneur agit dans trois dispensations. Tout ce qui était dans le Père a été déversé dans le Fils. Et tout ce que le Fils avait a été déversé dans l'épouse. Paul est à. Paul, là, sur Saul. Saul, il ne connaît que la première dispensation. Le Jéhovah de l'Ancien Testament qui a agi avec ses pères, il ne connaît que ça. Avec le culte au temple. Le culte lévitique avec sacrificateur, avec un temple, lieu saint, lieu très saint, un voile, on n'entre pas là-bas, des fêtes, tout ça là-bas. Il ne connaît que ça. Il ne connaît rien. Mais Paul connaît Jésus. Parce que les pharisiens l'ont livré. Il connaît qui est Jésus. Là-bas, ce n'est pas 80 ans après la mort de Jésus. Non, c'est juste quelques mois, quelques années après. Lui, il connaît très bien Jésus. Et ils savent qu'eux, ils l'ont livré, ils l'ont appelé pour eux, c'était un hérétique. C'est un monsieur qui est venu séduire les gens. Il entend la réponse qui soit dit, je suis Jésus. Oh, Paul tombe des nues, il dit, c'est impossible. C'est impossible. Moi, je connais cette lumière. Je connais qui parle dedans. On dit, je suis Jésus. Paul, il dit, cet homme-là que nous avons crucifié. Non. Il va lui préciser, mais que tu persécutes. Amen. Paul dit, mais moi, je persécute les chrétiens. Écoutez, frère Bana. Femme dit ceci. Voyez-vous, quand les gens se moquent de l'église, l'église avait grand E, c'était l'épouse. Ce n'est pas vraiment de l'église qu'ils se moquent.
c'est de Jésus qu'il se moque. Et il répète, pourquoi me persécutes-tu? Mais qui est Jésus? Qui est Jésus? Paul pensait que c'était l'homme-là qui s'est crucifié. Il lui dit, que tu persécutes. Cet homme-là, même si nous on l'a refusé cet homme-là, mais je n'ai jamais affronté comme ça pour le persécuter. Il lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Écoutez, frère Banan. Comment Paul, qui était si intelligent, pouvait-il croire que c'était là, dans mon point, que ce groupe de gens qui persécutaient, c'était le Dieu même qu'il prétendait servir? Ces gens-là, c'était le Dieu qu'il prétendait servir. Paul se rend compte que ce n'est pas possible. Donc, je pensais que de Dieu, oui, ce groupe de gens-là, que vous appelez hérétiques là-bas, ce groupe de gens-là-bas, c'est Dieu que tu persécutes. Jésus lui a montré quoi? On est maintenant dans la troisième dispensation. Je suis l'épouse. Je suis ces gens qui persécutent là-bas. Je vis en eux. Là-bas, Paul est complètement là. Là s'arrêtent ses ambitions. Dieu met fin à ses ambitions. Comme Moïse au buisson ardent, Paul aussi, sur la route de Damas. Le chemin de Damas l'a changé complètement. Là même, là, Paul renonce à ses ambitions. Ananias s'est envoyé pour imposer les mains afin qu'il couvre la vue, qu'il soit baptisé et qu'il reçoive le Saint-Esprit. Paul reçoit ça. Paul prend les rouleaux en Arabie pendant 3 ans et demi pour aller voir, pour aller quoi, étudier les Écritures. Qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce qui s'est passé que je n'ai pas saisi? Il va là-bas se rendre compte. Dieu qui était annoncé est venu. Il est mort à la croix. Il est ressuscité, il est reparti au ciel. Maintenant, il vit dans son peuple. C'est là qu'ils sont. Tout le temps là-bas, ça lui est passé comme ça sur la tête là-bas. Paul là-bas change, ses ambitions changent. Le cours de sa vie change complètement. Quoi? Il entre maintenant dans le plan de Dieu. Et Dieu dit quoi? Voilà, j'ai maintenant mon prisonnier. Alléluia. Dieu dit, j'ai maintenant mon prisonnier. Dieu a fait quoi? Et alors, il dit quoi? Dieu a complètement sorti de lui tout ce pourquoi il avait été formé. Alors, son objectif pour lequel son père avait dépensé de l'argent, les ambitions de son père et de sa mère, tout cela lui a été enlevé. Et parce que Dieu avait prévu quelque chose d'autre. Mais il y allait de sa manière. Il dit, donc, il était prisonnier, détaché de l'objectif qu'il avait dans la vie. Il était devenu prisonnier de Jésus-Christ qui était la parole. Amen. Voilà pour changer. Voilà Jésus maintenant qui arrive. Voilà maintenant Dieu qui arrive à ses fins. Il dit, je le voulais comme ça. Je voulais l'utiliser. Il serait un grand prophète. Il y a la parole qui doit venir à lui. Il doit apporter la parole. Mais regardez, Dieu ne l'a jamais utilisé avant que Paul devienne un prisonnier. Je répète encore, tout ce que les prophètes avaient, ça nous concerne, c'est nous maintenant. C'est nous maintenant. Ok? À Damas, le chemin là-bas, Paul a été complètement changé. Le Seigneur sur la terre avait donné une parabole. Le homme de Dieu est semblable à quelqu'un qui, dans Matthieu 13, qui a trouvé dans un champ un trésor. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé vendre tout ce qu'il avait pour acquérir le champ, afin que le trésor lui revienne. N'est-ce pas? Il a aussi dit quoi? Il a aussi dit dans un parabole, il dit quoi? Quelqu'un qui a trouvé une grande perle, une perle de grand prix. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est reparti, il a tout vendu. Il a eu l'argent pour aller acquérir la perle de grand prix. Amen. Eh bien, Paul avait trouvé la perle de grand prix. Qu'est-ce qu'il a fait? Tout ce qu'il avait étudié. Tout. Paul a tout vendu. Paul dit quoi? Je considère ça comme de la boue. Paul a tout vendu. Pourquoi? Parce que Paul a découvert la perle de grand prix. Si toi aussi tu as découvert, eh bien, tu ne pourras pas aller par un autre chemin. Le chemin à l'avoir obligé, c'est de vendre tout. Amen.
Tu dois tout vendre. Paul a tout vendu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a renoncé à ses ambitions. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est attaché à ça. Il dit quoi? Il s'est emprisonné là-dedans. Cela a été exprimé une fois lorsque Jésus a dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui achète des perles. Et quand il trouve cette perle magnifique, il vend tout ce qu'il a pour l'acquérir. Il dit, et c'est la même chose. Vous avez une conception intellectuelle. Vous avez une expérience théologique. Mais quand vient le moment où vous trouvez vraiment la chose authentique, alors vous vendez tout le reste et vous vous emprisonnez dans ceci. Que ceci ne soit pas seulement de la connaissance intellectuelle ou juste un discours comme ça. Non. Que chacun se pose la question. Est-ce que j'ai tout vendu? Est-ce que j'ai renoncé à tout? Est-ce que tu m'as complètement vidé? Parce que il y a un projet pour toi. J'ai dit qu'il y a une armée qui doit se lever sur la terre. Il y a une épouse qui sera Jésus-Christ au féminin, qui va se lever sur la terre. Une épouse qui sera Jésus. Si tu seras dedans, Dieu, pour t'utiliser, il doit d'abord faire de toi un prisonnier. Dieu doit avoir de l'emprise sur toi. Tu ne peux pas continuer à te conduire seul avec tes pensées, faire tes projets seul, tes ambitions seul. Tu ne consultes pas Dieu. Tu fais tout seul parce que tu as l'argent, parce que tu es très stable. Tu fais des projets d'ambition comme ça là-bas. Dieu n'est pas dedans. Non, 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 non. Non, non, non. Dieu doit contrôler tout, même tes finances. Il veut être Seigneur. Il n'est pas ton sauveur pour te sauver à l'heure de la mort. Non. Dieu veut être ton mari. Il veut être celui qui te contrôle. Il veut avoir un œil dans tes finances. Il contrôle tout dans ta relation, dans la manière dont tu traites ta femme, traites ton mari, tes enfants. Il veut là-bas. Au travers de comment tu te comportes, Dieu veut te contrôler. Dans la prédication qu'on a vue là-bas, il y a une situation que j'aurais bien voulu lire la fois passée, mais je ne l'ai pas lue. Dans la prédication intitulée L'unité avec Dieu. Il faut vraiment dire ici, je crains que nous ayons reçu assez de Saint-Esprit seulement pour arrêter de fumer, arrêter de voler, arrêter de mentir. Les gens n'ont reçu que assez de Saint-Esprit pour être sanctifiés, arrêter avec le péché. Il dit, Dieu n'est pas satisfait, c'est pas ça qu'il veut. Il veut remplir chaque fibre de ton être. Il veut que tu sois totalement mort à toi-même et que lui prenne le contrôle. Femme a dit quoi? Il y a trois ans, il y a trois desseins de Dieu. Premier dessein, c'était se révéler par qui? Par Jésus-Christ. Deuxième dessein, après Jésus-Christ, c'est même l'épouse. Il dit avoir la prééminence dans l'épouse. Ça veut dire quoi la prééminence? C'est avoir le contrôle total. Il veut contrôler nos vies. Il veut nous conduire, nous contrôler. Nous devons faire quoi? On doit être totalement mort à nous-mêmes pour que lui entre. Rappelez-vous de Moïse. Rappelez-vous de Moïse. Dans quel état Moïse était au puits ardent? Dieu veut ça. C'est là qu'il aura un prisonnier. Aussi longtemps que tu te diriges seul, tu te contrôles, tu te conduis seul là-bas comme ça, Dieu ne t'a pas encore, il n'a pas l'emprise sur toi. Il n'a pas le contrôle sur toi. Tu décides seul où tu vas, tu vas où tu vas seul, tu décides seul où tu vas. Dieu ne te contrôle pas. Il y a une soeur dans mon église au Burundi là. Dieu l'avait dit. C'était deux soeurs. Une, chaque fois qu'on était dans les communions, à gauche, à droite, elle était là. C'était deux vases. Deux vases. Mais sa grande soeur, elle, à chaque sortie, chaque mouvement, elle doit aller à genoux pour demander au Seigneur. Seigneur, dois-je aller là-bas? Il y a un deuil, dois-je aller? Tout le monde parle, je dois y aller. Je dis, toi, tu restes, elle reste. Les seuls endroits où elle partait sans demander, c'était à l'église ou alors sur avait des communions de fraternité. Là, elle devait être là. Parce qu'on avait besoin d'elle. Elle devait être là. Mais ailleurs, Dieu l'avait dit, tu ne te déplaces pas sans me demander. Prisonnière complètement. Sa soeur, elle faisait les cheveux comme elle mettait des mèches. Elle, toujours des cheveux, a fait avec les mains. Elle demande, mais toi c'est quoi? Il dit, un jour, j'ai tressé mes cheveux. La nuit, j'ai rêvé. Un ange est venu. Il est tenté d'enlever tout. Je me réveille le matin, tout est parti. Je lui dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Dieu lui dit, toi non. Toi, c'est pas comme ça. Toi,
je ne te veux pas comme ça. Elle était complètement prisonnière. Donc tu te conduis plus, tu te contrôles plus. Même aller, tu je dois là. Non, non, je dis. Tu que le boulot, je dois passer, je dis, rentre à la maison. Oh. Dans Acte, au chapitre 16, regardons Paul. Quand Dieu contrôle quelqu'un, dans Acte 16, verset 6. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversait la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. On veut évangéliser ici. Je dis non, là-bas, continuez. N'entrez pas là-bas, continuez. On veut évangéliser ici. Je dis non. Continuez votre chemin. Totalement soumis à la parole de Dieu. Totalement lié à la volonté de Dieu. Dieu a voulu avoir. Dieu voulait un Paul comme ça. Voilà pourquoi est-ce que il lui a. Voilà pourquoi est-ce qu'il a eu l'expérience du buisson ardent. Et là-bas, Dieu a mis stop à ses ambitions. Tout ça là-bas, c'est pour nous. Dieu doit nous conduire totalement. Des fois, on prie pour des choses, mais on n'a pas la permission. Hein. J'ai essayé, quand j'étais en Afrique, j'ai essayé de faire un commerce. Avec un frère de l'église, mais qui n'est plus frère. Il est rentré dans les groupes armés, là, dans les LRDC. Là. On voulait faire un commerce ensemble. On a pris l'argent. C'est moi qui donne l'argent. Moi, comme je travaillais, lui devait faire des va-et-vient. J'ai donné l'argent. Et on est même parti chez le pasteur a prié et il a commencé le commerce. Après quelques temps là-bas, on a tout perdu. On est retourné à la chambre des dons pour demander à Dieu qu'est-ce qui s'est passé. C'est ce que Dieu t'a répondu. Dieu a dit, ils ne m'ont pas demandé la permission. Mais le pasteur a prié, oui, mais ils n'ont pas demandé la permission. Ils sont un peu compris pour eux, mais ils n'ont pas demandé la permission. Ça dit quoi? Seigneur, devons-nous faire oui ou non? Il dit, ils n'ont pas demandé la permission. Voilà pourquoi ils ont tout perdu. Ils ne m'ont jamais demandé, devons-nous aller oui ou non. Ils avaient leur projet, ils sont allés, pasteur, prie pour nous, on va faire ça. Pasteur, ah, ok, prie, allez-y. Que Dieu bénisse, Seigneur, bénis-les. Dieu dit, ils ne m'ont pas demandé. Bien des fois, nous prions pour des choses, nous prions, mais nous ne demandons pas la vie de Dieu. Seigneur, dois-je aller là ou pas? C'est, dois-je, oui ou non? Et être prêt à recevoir la réponse négative. Dieu veut être totalement celui qui nous contrôle, celui qui nous conduit. Ok? Amen. Il y a aussi un autre. Terminons avec Joseph. Un autre encore avec des ambitions. Un autre avait des ambitions. Regardez ce qu'il était. Hein, un prophète né. Et le parfait type de Jésus. Dès son jeune âge, il avait des visions. Dieu montrait qu'il était différent de ses frères. Il fait un jour un rêve, il voit tous ses frères et son père qui se procèdent devant lui. La mayonnaise monte à la tête. Un jour. Même son père dit, tu veux dire quoi? Moi, tes frères et ta mère et moi, on va. Non, papa, je n'ai pas dit ça, mais dans le cœur. Vous tous un jour à mes pieds. Là, l'ambition commence à grandir. Je serai un jour quelqu'un, je serai un jour. C'était pourtant ce que Dieu a montré. C'est ça qui est arrivé. Mais la manière dont il a pris ça, dans sa tête, l'ambition commence à grandir. Il fallait que le pasteur soit ici, hein. Ça, c'est son témoignage, non? Lui qui est venu de Bandaka, lui qui est venu de l'Équateur là-bas. Je vais à Kine, je vais être président. Lui-même président. Lui-même chef de l'armée du Congo. Lui-même encore grand professeur d'université. Là, il vient, il a 18-19 ans. Il vient à Kine là-bas. Il dit, ils vont voir. Donc, à Kine là-bas, je vais être président, chef de l'armée. Ah! Il arrive comme ça. Dieu me fait à ça. Aujourd'hui, prisonnier de Christ. Dieu dit, j'avais mon plan pour toi.
N'est-ce pas? Vous pensez que seulement des histoires, ça n'arrive pas aujourd'hui. Mais c'est vrai, notre pasteur a vécu ça. Avec sa mission, il débarque à qui là-bas? Tu vois une ville de 10 millions d'habitants, tu n'as même pas peur. Ah bon? Ok, Dieu dit, toi là, j'ai un plan pour toi. À peine arrivé seulement. Comme on dit, on dit, bah, mouchakiye. Dieu l'a pris, on l'a attrapé. Directement, je dis, viens ici, j'ai un plan pour toi. Toi, tu es dans mon plan. Ah. Dieu fait quoi? Dieu le vide complètement, Dieu en fait son prisonnier. Aujourd'hui, monsieur le président, tu peux. Non, je suis pasteur. Tu veux pas aller dans l'armée? Non, je suis pasteur. Je suis bien là-bas. Je suis pasteur. Dieu a fait quoi? Dieu a changé le cours de sa vie. Joseph, je serai un jour devant moi. Ok. Dieu regarde, Dieu dit. Ok. Ses propres frères le vendent. En Égypte, il est vendu comme esclave. Il se retrouve, il pleure. Maman, papa. Il est parti jeune là-bas, on le prend comme ça, loin de ses parents. Lui qui était tout le temps le fils dans l'épée de son père. Son père, Joseph, mon fils, sa maman est morte, qu'elle était jeune. Je l'aime beaucoup. Joseph, Benjamin, c'était tout le cœur de sa maman. J'ai dit, moi, celui-ci sera un roi. Il sera un roi comme ça. Il va régner comme ça. Dieu te regarde aussi. Que dit la Odyssée? Comment se termine? Quelle est la récompense de la Odyssée? À celui qui vaincra, je donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et monsieur savait mon père sur son trône. Aujourd'hui, le trône nous est promis. Dieu te regarde comme ça, tu étais en l'air, tu fais des ambitions là-bas seul, tu es seulement là-bas, tu es sûr seulement que non, on t'a dit à l'église que non, tu seras levé, il y aura une opinion viendra, nous allons créer, on va affronter l'antichrist là, la machine du diable là, tout est dans la tête, ta tête a gonflé avec ça. Et tu es là seulement, tu vois seulement la fin. Dieu regarde et dit, celui-ci va régner. Comment va-t-il affronter l'antichrist comme ça? Dieu veut faire de toi un prisonnier. S'il faut te forcer, il va le faire comme Joseph. Allez Joseph, allez, en Égypte, vendu par ses frères, vendu. Surtout seul loin de son père. Personne ne peut le défendre. Chez Potiphar. Potiphar leur accorde quoi? Une petite liberté. Dieu regarde comme ça là-bas, il devient à l'aise. Tout ce qui touche prospère. On va l'appeler le fils de la prospérité. Tout ce qui touche prospère. Ah, pour des fois, on voit que non, cet esclave ici, il y a un don, il y a quelque chose ici. Allez, on le met chef de toute la maison là-bas. Il supervise tout là-bas et tout ce qu'il fait, ça réussit. Vraiment, non, il est parfait. Dieu regarde et dit, il est à l'aise. Il commence à dire, il va commencer à penser encore son histoire, de sa vision là-bas. Allez, en prison. Il se retrouve en prison. Le don qu'il a, ne lui sert plus à rien. Il va encore prêcher à qui? Tu es derrière les barreaux là-bas comme ça. Frère, repentez-vous derrière les barreaux comme ça. Repentez-vous, Jésus vient mettre, tu es derrière les barreaux, tu es prisonnier. Son don ne lui sert plus à rien. Il est là comme ça, il ne fait que pleurer. Dieu est en train de faire quoi? Dieu dit, je dois avoir mon prisonnier. Je ne peux pas l'utiliser comme ça là-bas. C'est qu'il a, c'est que la vision de la vie là-bas va s'accomplir. Mais pas comme il est là-bas, comme ça là-bas. Trop ambitieux, tout ça là-bas. Et... Non, il faut le dessin, il faut le vider. Il faut, comme Moïse, les pieds par terre. En prison là. Il croupit là-bas. Et puis après, Dieu utilise le don même qu'il a là-bas. Pour le faire sortir de prison. Et quand ils sont de prison, Dieu était obligé de le mettre en prison, le mettre directement en prison. Pourquoi? Dieu devait le dépouiller. Il fallait le vider, il fallait le vider. Beaucoup de manque de maturité, il fallait le vider d'abord. Il dit, mais regardez, quand maintenant le temps arrive pour que Dieu puisse se libérer, mais Dieu utilise le don qu'il a pour le faire sortir de prison. Il interprète un songe, ça va comme ça là-bas, et puis après, vous connaissez l'histoire. Joseph sort de prison. Mais regardez, avant qu'il sorte de prison, qu'est-ce qu'on a fait? Il sort de prison, il doit interpréter un songe là-bas. Mais regardez ce qu'on a fait. Avant qu'il parte, avant qu'il se présente devant le roi,
On le fait passer au salon de coiffure, on le rase. On doit d'abord le raser. Remarquez, avant qu'il saute, il a dû être emmené pour être rasé. Certaines choses doivent être rasées, ôtées de lui avant qu'il puisse rencontrer son roi. Toi, tu veux rencontrer Jésus dans la gloire. Tu le vois que la rencontre dans les airs. Tu le vois qu'elle n'était pas dans l'enlèvement. Combien de choses pèsent encore sur toi? Dieu doit raser tout ça. Il dit, oh, parfois Dieu emmène son peuple comme ça pour les raser. Ôter d'eux un peu de leur propre volonté. Ta volonté là, ta volonté. Moi je veux. Ta volonté là. Dieu a aussi sa volonté. Sa volonté, sa parole. Il veut que tu sois attelé, accroché à sa volonté. Mais toi, tu es accroché à ta volonté. Dieu dit, je vais te montrer. Je vais te raser. Il dit, pour ôter un peu de ta volonté, leur montrer qu'ils ne peuvent pas faire tout ce qu'ils voudraient faire. Vous entendez ça? C'est ça être prisonnier. Tu ne fais pas tout ce que tu voudrais faire. Tu ne parles pas comme tu veux. Tu ne penses pas n'importe quelle pensée. Tu ne t'appartiens pas. Tu ne parles pas n'importe quand. Il y a des moments où Dieu me dit, ne réponds pas. On te parle, mais Dieu dit, ne réponds pas. Je veux que tu ne répondes pas. Pas ce que toi tu veux. Non, je dis, je veux que tu ne répondes pas. Tu te soumets, tu dis, Seigneur, que ta volonté soit faite, je me tais. Il y a une ville où Paul est parti. Dieu lui a dit quoi? Ici, tu ne te tais pas. Tu parles parce que j'ai beaucoup de lui ici. N'aie pas peur ici, prêche. Faut pas te taire, il y a beaucoup de lui. Dieu te contrôle, Dieu te conduit, tu ne t'appartiens plus. Voilà un prisonnier. Leur montrer qu'ils ne peuvent pas faire tout ce qu'ils voudraient faire. Vous savez ce que je veux dire? Ils ne sont pas libres de faire ce qu'ils veulent faire. Voilà ce que vous devez savoir. Être prisonnier, c'est ça. La question, c'est quoi? Est-ce que nous sommes prêts à ça? Est-ce que nous voulons vraiment renoncer à notre volonté pour faire sa volonté? Est-ce que nous voulons vraiment abandonner? On veut prendre la volonté dans une main, la volonté de Dieu ici, dans l'autre main, ma volonté aussi. J'ai aussi, je veux faire, je veux dire, je veux aller, je veux faire, je veux penser comme ça. Donc tu veux savoir ta volonté. Avec Dieu, c'est quoi? Mourir à ta volonté. Dieu doit avoir un prisonnier. Non, il doit avoir un prisonnier. Il dit, ils ne sont pas libres de faire ce qu'ils veulent. Avant qu'ils puissent avoir plein pouvoir et être esclaves de l'amour de Christ, ils doivent être complètement rasés et présentés ensuite. Est-ce que tu es complètement rasé? Est-ce que je suis complètement rasé? Y a-t-il encore un peu de ma volonté dans moi? Est-ce que je suis totalement soumis à la volonté de Dieu? Quand on attrape un cheval sauvage, avant de le monter, avant de commencer à le monter, on doit d'abord le dompter. En anglais, un terme qui dit, en anglais, on appelle ça to break the horse. On doit d'abord le briser. Quand on voit un cheval là-bas comme ça, tout gentil, on le monte, et puis, mais il était sauvage. On a dû le briser. On a dû le dompter. Est-ce que tu es déjà assez dompté pour que le Saint-Esprit puisse t'utiliser, te conduire lui? Celui qui tient le mort, à gauche tu vas à gauche, à droite tu vas à gauche. Galope, arrête-toi, c'est lui qui te conduit. Est-ce qu'on est prêt à ça? Est-ce qu'on est prêt à ça? Il dit parfois, il les emmène au désert pour le faire, comme pour Moïse et pour Paul, pour les raser. Il en fait ensuite sortir ses oints afin qu'ils accomplissent son dessein. Vous voyez, Dieu aussi a un dessein. Mais il te veut. Mais pour que tu viennes, pour qu'il t'utilise à son dessein, tu dois être complètement soumis à lui. Dieu doit être sûr que c'est lui qui te conduit. Tu vas à l'encontre, tu es puni. Voilà pourquoi. Il faut faire attention avec le pasteur Jacques. Surtout le comité, en train de lui faire des suggestions. Il est conduit par Dieu. Il peut dire quelque chose comme ça. Il dit, on aura
réunion de prière tel jour la nuit. Ne viens pas apporter là-bas tes programmes à toi pour le contraire. Tu ne sais pas qui lui a fait parler comme ça. Oh, il y aura ceci, il y aura tempête. Non, laisse-le. Mais des fois aussi, il faut le conseiller. Parce que l'homme sur le cœur de Dieu, David. David a demandé qu'on fasse le recensement en Israël. Le cimetière lui a dit, roi, ne sais-tu pas, c'est interdit en Israël de compter les hommes d'Israël. Allez faire, je suis le roi ici. Ah, à vos ordres, il est parti. Il n'a pas écouté le conseil militaire. On a fait le recensement, on lui a apporté le nom. Voilà, on a recensé, c'est autant. Dès qu'il recense, c'est bon. Il entend seulement. Le prophète entre. J'ai ainsi dit le Seigneur. Hé, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, on t'avait conseillé, tu n'as pas écouté. On t'avait dit, tu n'as pas écouté. Le prophète entre, dit, trois punitions, choisis une. Il donne les trois punitions. Donne le choix. Dieu attend, Dieu choisit la punition. Il y a trois punitions, il n'y a pas de grâce. Il y a trois punitions. Tu choisis une de trois. Des innocents sont morts à cause de la peste. Il a choisi trois jours de peste. Ça a tué des innocents, il n'est pas mort lui. Hein. Des innocents ont perdu la vie parce que le chef, l'homme sur le cœur de Dieu, n'a pas accepté qu'on le conseille. On l'a ramené à la parole. On l'a ramené à la parole. Il n'a pas écouté. Donc ici, il faut faire la balance. Quand quelqu'un est prisonnier de Christ, attention, attention, il est conduit par Jésus. Mais on peut le conseiller. Frère Branham est parti en Afrique du Sud. Toute la délégation, ceux qu'il avait invités, qui avaient organisé tout, ils lui ont dit, on va dans cette ville là-bas. L'ange avait dit, la réunion prochaine, c'est là-bas. Ils ont refusé. Juste même le frère Bossoff qui va lui sortir cette phrase. Frère Bana, est-ce que Dieu ne parle qu'à toi? Il parle à tout le monde. Il leur dira quoi? Vous allez voir ce qu'on va subir. L'ange lui a dit, ne va pas. Qu'est-ce qu'il peut faire là? Il était à la merci des gens. C'est eux qui avaient payé tout, c'est eux qui le prenaient en charge. Il n'avait pas d'argent. Tout. Il dit, si tu vas là-bas, il n'y a pas de réunion organisée là-bas. Si tu vas là-bas, tu es seul maintenant. Toute la délégation se retourne contre lui. Qu'est-ce qu'il fait? Ok, il dit allons-y. Il est parti là. Il leur a dit quoi? Mais nous allons payer. Nous allons tous payer pour ça. Et tous ont payé. Tous ont payé. Dieu envoie les amibes. Ah, c'est que nous qui avons en Afrique, on connaît les amibes. Hein. Eux, ils ne connaissaient pas. Ils ont eu des amibes. Il est retourné jusqu'aux États-Unis. Il prêchait en train de souffrir des amibes. Il priait pour les malades. Dieu, lui, il ne guérissait pas. Tous à la délégation, tous étaient malades. Femme leur a dit quoi? Je vous avais dit. Dieu m'avait parlé. Ils ont dit, mais ceux qui avaient déjà organisé là-bas, des affiches, des tentes, tout dans cette ville là-bas. On était à leur merci. Eux, ils ont cédé, mais lui avait la cité des seigneurs. Un homme lié à Dieu, il est conduit par Dieu. Fais attention quand tu le conseilles. Mais ça n'empêche qu'on peut conseiller quelqu'un. Mon pasteur au Burundi, je l'ai fait une fois. Je l'ai conseillé quelque chose et il a arrêté. Il a eu trois catastrophes. Il a fait un songe. Et il était venu à l'église, il avait parlé. Il a fait un songe, il voulait chercher du travail. Dieu lui a montré si tu travailles. Dieu l'a montré dans l'usine. Il était en train de diriger l'usine, mais vous voyez les handicapés qui marchent sur le genou là. Il s'est vu là comme ça en train de diriger dans l'usine. Il vient à l'église, il nous en parle. Il se passe plusieurs mois, il a oublié. Un jour, il prend son dossier, il va pour déposer pour le travail. Il m'appelle. Tu es à la maison? Oui, je suis à la maison. Il passer, il me prend et on part. Pendant en chemin, il me dit là où on va, ce qu'on va faire là-bas. C'est à moi que Dieu a dit. J'ai dit, pasteur, tu te rappelles d'un rêve que tu avais raconté à l'église? Tu as vu ça. Là où tu vas là-bas. Hein? Tu es dans le travail. Tu te rappelles ce que tu vas être? Tu vas marcher à quatre pattes.
il se rappelle. Il avait complètement oublié. Là, sur place, il ne m'a rien dit. On arrive à l'église le samedi prochain. Il dit ça à l'église. Il dit, le frère Anissé m'a rappelé. J'avais oublié cette histoire-là. Que Dieu m'avait interdit. Bien qu'il était un homme de Dieu, je l'ai fait. Parce que c'était, de toute façon, c'est celui qui avait raconté le premier rêve. Je l'ai fait que de rappeler son rêve. Il me dit, j'avais oublié ça. Donc on peut conseiller. Mais ces gens-là, ils sont dirigés par Dieu. On doit faire attention. Parce que quand il part, des fois, ce n'est pas lui qui a parlé. Prions de Christ. Terminons. On a fini avec les trois. On a fini maintenant. Terminons maintenant avec aujourd'hui au temps de la fin. Je l'ai dit ici, Dieu a un programme. Dieu a une ambition. Il a un plan. Il y aura une église. Tout ce qu'on a vu là-bas, Dieu aura une église. Frère, je veux vous dire une chose. Ça ne va pas arriver automatiquement là comme ça. Juste parce que tu le sais, tu es dans le message et ça va arriver juste avec comme ça. Non. Jusqu'à Dieu doit d'abord t'avoir comme prisonnier. Sinon, tu n'es pas dedans. Que chacun s'examine pour voir là où tu as renoncé. Va devant Dieu, dit Seigneur. Et dans ta vie, renonce à ce qui, tout ce qu'elle nous dit, Seigneur, je vais être prisonnier. Aide-moi à abandonner, à renoncer à tout. Ça paye que d'être un prisonnier. Paul était un grand prophète. Il a écrit le Nouveau Testament. Moïse était un grand prophète. Il a écrit l'Ancien Testament. Joseph, un type parfait de Jésus. Ah oui. Est-ce que vous oubliez, frère Branham? Dieu l'a eu comment? Frère Branham, tu lui disais qu'il est pasteur. Tu as l'air d'un pasteur. Il retrousse les manches. Il met les poings. Tu as dit quoi? J'ai l'air de quoi? Il ne voulait même pas qu'on lui. Il voulait même pas. Dieu l'a eu comment? Dieu l'a eu sur la table d'opération. Tu as dit, je t'appelle, tu me résistes? La deuxième fois. Je t'appelle, tu me résistes? Il dit, oh Seigneur, si tu me guéris, tu me sors de cette histoire ici, de cette maladie. Je vais te servir toute ma vie. C'est là qu'il a renoncé à tout. Le cours de sa vie changea. Et pourtant, il était né prophète. Il avait des visions depuis son plus bas âge. Mais pour entrer dans le plan de Dieu là-bas, il voulait dévier comme ça. Dieu a dit, moi, je ne travaille qu'avec des prisonniers. C'est même pour ça aussi qu'il a perdu et son père, et son frère, et sa femme, et sa fille. Comme ça, l'un à la suite de l'autre. Pourquoi? Il n'était pas assez brisé. Trop amoureux de sa femme et trop peureux de sa belle-mère. Son père est mort dans ses bras. Il était à la série prier comme ça, quelqu'un rentre là-bas. Billy, ton frère sur la route en train de tamponner. Il arrête la prédication, il court sur la route, il prend son frère comme ça dans le sang. Son frère meurt sur lui. La voiture tamponnée. Son frère qui venait juste après lui. Il l'aimait beaucoup. En hiver, il prenait. Oh, ça fait trop mal. Ça fait trop mal. J'ai le terme. To break the horse. To briser le cheval pour le monter. Dieu l'a brisé. Frère Banan. Dieu l'a brisé vraiment. Il perd son père, il perd son frère. Son frère qui l'aimait beaucoup, avec qui ils ont grandi. C'était vraiment son ami. En hiver, il prend la couverture. Il va couvrir la tombe de son frère. Il est pour qu'il soit au chaud. Dieu l'a brisé. Et puis après, c'est sa femme qui part. Sa fille qui part. Dieu ne coupe pas ce petit. Pourquoi? Pour le briser. Quand l'ange est venu en 1946, l'homme était déjà assez brisé maintenant. Dieu dit, maintenant je vais m'emprisonner. Là maintenant, le travail commence. On n'a pas de brochure avant ça. Il prêchait, il était juste un pasteur de l'église. Dieu devait le briser complètement pour l'utiliser. En 1946, Dieu a maintenant son prisonnier dans sa main.
Tu as dit, let's go maintenant. Maintenant on peut y aller. Maintenant on peut y aller. On a vu William Branham, le prophète. Jusqu'en 65. Rien ne l'a arrêté. Il était maintenant dans son rôle. Dieu a dit, maintenant, je vais emprisonner maintenant. Toi et moi, nous sommes, oh, l'épouse. Oui, on va être l'épouse. Mais l'épouse, c'est des prisonniers. On a vu ici, Dieu dit quoi? Dieu est à la recherche des prisonniers. Frère, je termine. Hein? Il est presque 10 heures moins là. Waouh. Je termine dans 5 minutes. Je finis dans 5 minutes. Si seulement nous pouvions garder ça à l'esprit, écoutez ma promesse. Selon la parole de Dieu, en ces derniers jours, il y aura une église. Il aura un peuple. Et ces choses qu'il a promises, il va les exécuter. Regardez maintenant tout ça là qu'on a vu là-bas. Ça sera, maintenant, je le ramène maintenant à nous. Il va les exécuter. Il savait que Moïse serait libérateur, il l'a fait. Il savait que Paul serait le messager, un grand prophète, il l'a fait. Il savait que Joseph serait vraiment un grand roi et que ses frères allaient, il l'a fait. Ses frères, ça, tout le monde, ils sont passés devant lui. C'est arrivé. Il a dit qu'il le ferait. Et nous vivons en ce temps-là. Nous y sommes. Il cherche simplement à nous amener à être de vrais prisonniers maintenant. Enfermés avec lui. Amen. Toi et lui, vous deux. Enfermés à deux seulement. Amen. Dieu te conduit. Gloire à Dieu. Il te parle, tu obéis. Amen. Sa volonté, c'est ce que tu fais. Pas ta volonté. Gloire à Dieu. Il te donne ça, il te donne ce commandement, tu obéis, tu exécutes. Là, il me dit quoi? Ces commandements ne sont pas pénibles. Pourquoi nous refusons ça? Mais rappelez-vous, l'enlèvement aura lieu avec ou sans toi. Souvenez-vous de ce qu'il a fait toutes les autres fois. Il devait toujours s'emparer d'un homme pour en faire son prisonnier, lui faire quitter les siens. Gloire à Dieu. Lui faire quitter les siens. Ah oui, le salut individuel. Les prisonniers, il veut des prisonniers qui sont, c'est individuel. Il ne prend pas toute une famille prisonnière. Non. Individu. Chacun marche avec Dieu. Chacun a sa marche avec Dieu. Celui-ci devait renoncer à toutes ses connaissances. Oublier toutes ses formations. Tout. Pour pouvoir connaître la volonté de Dieu. Suivre Dieu. Tu dois faire quoi? Renoncer. Renoncer à tout. Pour suivre Dieu. A dit pour être lié à sa volonté. Parce que Dieu est la parole et sa parole, c'est sa volonté. Il ne peut pas suivre, écoutez, il ne peut pas suivre les activités de l'homme et suivre Dieu en même temps. Ils sont trop opposés les unes aux autres. Vous ne pouvez pas aller à l'ouest et à l'est en même temps. Aller à gauche et à droite en même temps. Faire le bien et le mal en même temps. Vous ne pouvez pas suivre l'homme et Dieu en même temps. Non, monsieur. Ou bien vous suivez Dieu, ou bien vous suivez l'homme. Et donc, si vous suivez Dieu et que vous êtes soumis à Dieu, vous devenez alors prisonnier de ce Dieu, de cette parole, de cette volonté. Gloire à Dieu! Maintenant dans ta vie, c'est ce que Dieu veut. Voilà pourquoi il a prié en disant quoi? Prié en disant quoi? Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La terre, c'est cette terre ici. Ta terre à toi, ta terre à toi. Que sa volonté s'accomplisse dans ta vie. Dans ton cœur. Pas ta volonté à toi, sa volonté à lui, que ça s'accomplisse. Attention, ses commandements ne sont pas pénibles. C'est le diable qui veut nous séduire, nous tromper, tout ça là-bas. Ses commandements ne sont pas pénibles. Nous devons seulement être soumis à sa volonté. Il prie en disant, il parle, mais il prie en disant, oh Dieu, prends-nous dans ta main. Fais de nous des esclaves de ton amour. Alléluia. Utilise-nous comme des instruments afin de faire prendre conscience à cette terre de péché maudite sur laquelle nous vivons aujourd'hui. Amen. Que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Gloire à Dieu. Nous le disons comme un slogan. Hébreux 13:8.
C'était qui même, sur les parcours de voitures, même des pharmacies, pharmaciens, on écrit ça, mais pour que les gens voient que Dieu est le même, hier, même pas Dieu, Jésus, hein, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, pour toujours, pour que les gens voient ça, tu dois d'abord être un prisonnier pour manifester aux gens que Jésus-Christ est le même. Alléluia. Ce n'est pas en répétant ça comme un slogan. Oh, voilà, la dernière citation. Quant à moi, oh Dieu, fais que je sois un prisonnier. Ah, j'aime ça, écoutez ça. Même si tous mes frères me rejettent, si tous mes amis me rejettent, je veux être prisonnier de Jésus-Christ et de sa parole. Écoutez, je veux être prisonnier de Jésus-Christ et de sa parole. Écoutez, pour pouvoir être attelé ou bien accroché à sa parole par le Saint-Esprit, voir le Saint-Esprit confirmer la parole de Dieu en accomplissant les choses même qu'il avait annoncées. Je veux être prisonnier de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. C'est ça qu'il veut. C'est ça qu'il veut. La parole promise pour ce jour doit être manifestée. Mais qui est-ce qui est le vase? Qui est le vase qui va porter en lui cette parole là-bas? Qui est le vase qui sera l'autre morceau de traite chinoise? Sur un morceau, c'est la parole écrite, tout ce qui était promis. L'autre morceau doit être l'accomplissement. C'est toi, c'est moi. Tu dois être un prisonnier. Et pour ça, il faut qu'on dise quoi? Attelé à la parole par le Saint-Esprit. Tu ne peux pas le faire sans le Saint-Esprit. Nous sommes appelés des prisonniers. Que Dieu fasse de nous prisonniers. Que Dieu nous aide à renoncer à tout. À renoncer à notre volonté. Nous venons dans le camp où tu ne fais plus les choses par toi-même. Ça se fait de manière surnaturelle. C'est le camp de Dieu. Le camp du surnaturel. Que Dieu vous bénisse. Vous avez aimé, c'était bon. Amen. Voilà. Et là, c'est mon dernier conserve. Et c'est mon souhait. C'est mon encouragement. Dieu voulant, je serai parti dimanche à 21h30. Je prends mon avion, je repars vers l'Alberta. Et on se verra peut-être dans la gloire. On ne peut pas avoir lieu mardi. Et on sera parti. Je ne serai pas ici mardi. Donc que Dieu bénisse, continue à aller de l'avant. Continue à prier pour nous à l'Alberta. Et nous aussi, on prie pour vous tous les jours. Que cette église aille de l'avant, nous voulons aller tous de progrès en progrès. Ok? Levons-nous, on va prier. On va chanter le cantique « J'abandonne tout ». Nathan, j'abandonne tout. Ah, voilà, ça tombe bien. Tout à Jésus, j'abandonne. Tout à lui, je donne tout. Je Pensez à ces paroles. J'abandonne. Ça va être une prière. Chantez ça en prière. Tout à Jésus. J'abandonne.
chacun murmure un mot de prière au Seigneur. Prions, prions. Oui, prends tout. Seigneur Jésus. Dieu puissant et véritable. Dieu d'amour. Dieu plein d'amour. Oui, Dieu plein de bonté et de compassion pour ton peuple, de gloire. Merci pour ta parole, oh Dieu. Merci à toi qui as parlé à nos cœurs, oh Père. Car Seigneur Jésus, mon Dieu, moi, tu veux que nous puissions nous ajuster. Que nos vies, oh mon Dieu, et moi, Père Céleste, te soient totalement consacrées. Tu veux être notre conducteur. Tu veux conduire nos âmes. Tu veux que nous puissions renoncer à notre volonté, oh Père, à nous-mêmes. Pour que toi, Jésus, tu aies la première dans nos vies, oh Père. Aide-nous, Seigneur Jésus, Papa, au Dieu de gloire. Soutiens chacun de nos pères. Soutiens chacun de nos pères. Soutiens, oh Dieu de puissance, Père, Seigneur de Père, cette église, oh Dieu de gloire. Père, que nous puissions être une église de prisonniers qui se passe à Dieu. Totalement abandonnée à Jésus. Oh Père, aide-nous, Père, bien-aimé, Seigneur, oh Dieu. Pardonne, 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 Père. Pardonne, Papa, oh Jésus. Le fait que, Père, nous ne sommes pas totalement dégagés, oh Père. Oh Dieu, aide-nous, Père. Moïse avait dit à Pharaon, nous n'allons rien laisser en Égypte. Nous prenons tout, nous ne laissons rien. Afin qu'il n'y ait rien qui nous fasse regarder en arrière. Oh, mais des fois, Père, oh Seigneur, nous avons regardé en arrière, oh Père. À l'Égypte de gloire, Papa, oh Jésus. Oh Dieu de nous, Papa, oh Jésus, a renoncé à tout ce qui est encore fil qui nous rit à l'Égypte, oh Père. Oh Dieu de nous, Père, à vendre tous les biens que nous avons encore en Égypte, oh Père, et qu'il nous faut regarder en arrière. Aide-nous, Seigneur Jésus, je te prie, oh Papa. Aide-nous, Père. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Dieu Tout-Puissant, Père. Aide ton peuple, Papa. Aide ton peuple, Seigneur, Père. Oh Dieu, que notre marche soit une marche certaine. Une marche qui est sûre, que nous puissions aller de l'avant de progrès en progrès, oh Père. Et être le véritable prisonnier abandonné totalement à Jésus-Christ. Afin que Père, tu puisses accomplir à travers nous ton plan. Père, que nous puissions voir la parole de Dieu, Papa, qui a été écrit pour ce jour, qui a été annoncé pour ce jour. Père, cette parole doit être accomplie dans la vie de chacun de nos pères. Oh Dieu de puissant, Père Seigneur Dieu. Que le monde puisse voir que Jésus-Christ vit encore et qu'il vit dans ses prisons, Père Seigneur Dieu. Aide-nous, Père. Aide-nous, Seigneur, oh Dieu de gloire, à vendre tout, oh Dieu, car tu es la perle de grand prix. Ce message de l'heure est la perle de grand prix, oh Dieu de gloire. Que nous puissions vendre tout, oh Père. Que nous puissions renoncer à tout, mon Dieu, mon Père Céleste. Que nous puissions vendre tout, mais alors tout, oh Père Seigneur Dieu, Papa, pour nous abandonner à la parole, oh Père. Afin que, Père, le Saint-Esprit puisse manifester, puisse vivre la parole dans nos vies, oh Père Seigneur Dieu. Que nous puissions être le reflet du message de l'heure. Père, que nos vies puissent prêcher plus que nos paroles. Nous connaissons beaucoup, nous connaissons beaucoup de citations. Père, oh Dieu, aide-nous, Papa Seigneur Dieu, afin que maintenant, ce soit nos vies, oh mon Dieu, et moi qui refais tes chers qui sont au Dieu de gloire. Nous pouvons dire, Papa, que le Seigneur vient bientôt débattre avec ceux qui croient qu'il est venu. Mais Père, c'est plutôt que nos vies doivent annoncer sa venue. Nos vies doivent témoigner que Jésus vient bientôt. Aide-nous, Seigneur, je te prie, Papa. Aide-nous, Papa. Aide chacun de nous, oh Dieu. Bénis, Père, cette assemblée, oh Dieu de gloire. Bénis, Père, notre pasteur, là où il est, oh Dieu de gloire. Soutiens le Père, oh Jésus. Soutiens le Père. Où est davantage, oh mon Dieu, moi, parce que pour la tâche que tu as donnée ici au Canada, oh Père. Père, je l'abandonne entièrement entre tes mains. Que tu puisses être tous les jours sa protection puissante, oh Père. Qui prospère à tous égards. Et qui soit toujours en bonne santé, oh Père. Fortifie le Père dans son âme, dans son corps, oh Dieu de gloire. Bénis sa famille au pays, sa famille qui est au pays. Bénis aussi, Père, notre pasteur évêque, Baruti Kassongo Léonard. Oh Dieu, soutiens son ministère, oh Père. Oh, lui aussi, Père, qui prospère à tous égards. Qu'il soit toujours en bonne santé, oh Dieu de gloire. Nous prions, Père, Seigneur, oh Dieu, que tu puisses le bénir. Bénis son épouse, ses enfants et petits-enfants, oh Dieu de gloire. Bénis, Père, son église à Kinshasa et tout son évêché dans la RDC, oh Père. Oh Jésus, accorde-nous ta grâce et ton soutien, ta miséricorde, oh Père. Merci pour le service de soir, Seigneur, oh Dieu. Pour tout ce que, Père, tu nous as dit. Papa, merci d'avoir accepté notre adoration, mon Dieu, mon roi. Père, que ces choses que nous avons entendues, Père Seigneur, Dieu, que chacun puisse les prendre dans son âme, dans son cœur, et que nous ne puissions pas être des auditeurs oublieux. Accorde-nous ta grâce et ton soutien et ta miséricorde, ta paix en toutes choses. Nous te le demandons, Dieu, sur le sang de la croix, dans le nom puissant du Fils de Dieu,
notre Seigneur et Rédempteur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse encore le frère Anissé Kacham. Vraiment, il est une bénédiction pour cette église. Il a quitté sa famille. Il est venu parmi nous et vraiment, il nous a prêché ici pendant 2 semaines. Et le dimanche, Dieu voulant, il va nous quitter. Que Dieu le bénisse richement. Qu'il bénisse aussi le pasteur Jacques. Il est bien arrivé hier. Et je pense que demain et dimanche, il sera avec nous ici. Nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu vous accompagne. Frère, et quand il va faire tout son travail, il va citer les noms des frères et sœurs qui nous ont suivis sur Internet. Nous allons une fois de plus lire les noms des gens qui ont été avec nous. Nous avons la sœur Régine Kachama. Le frère Joseph Béloqué, quand il était à la maison, il avait écrit, il est ici. La sœur Chantal Ete Diwadelo, la sœur Alice Kakoudji, le frère Dieu Merci Matondo, la sœur Madeleine Miandabou, maman Françoise Bambi, la sœur Romaine Kama, la sœur Annie Bokwala, le frère David Boulambo, le frère Perpétué Sotia, le frère Anastam Kasongo, maman Bolumbu de Washington, le frère Mwamba Tuit, la sœur Gracia Mbombo, le frère Dieu Merci Matondo, la sœur Ginette Bafouenibio, la sœur Nancy Conso, maman Anne, la maman de Samuel, maman Maggie depuis Allemagne, que Dieu vous bénisse. Le frère gentil, Betou et tous les autres. Oh, désolé, la sœur Perpétuée Sotia, que Dieu vous bénisse ma sœur. Et le pasteur Jacques Bondomba Afalo, là, qui nous a aussi suivis depuis l'auditoire invisible. Et tous les autres qu'on n'a pas pu voir les noms. Que le Seigneur vous bénisse tous richement. Merci d'avoir été avec nous. Nous allons chanter alors que nous partons. Les temps est plein de transitions. Rien sur terre n'est immuable. Espérons des choses éternelles. Tiens l'immuable main des dieux. Tiens la main, tiens l'immuable main des dieux. Tiens-la fortement, tiens l'immuable main des dieux. Tiens la fortement.
son voyage. Si tu étais fidèle à Dieu, oh ton âme ravie dans la gloire, trouvera une belle demeure. Oh oui, tiens sa main, bien immuable. Nous saluons la sœur qui vient là au trou. Tiens sa main, tiens l'immuable main de Dieu. Oh oui, espérons des choses éternelles. Oui, tiens sa main, tiens l'immuable main de Dieu. Likia, likia na oyo ya teko, simba loboko na nzambe. Il y a un endroit plus beau que Jou, et par la foi nous pouvons les voir. Pour nous préparer là la...